Henri Dess raconte On t'aime, papa. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé une chose incroyable à la maison. Mon papa. Il jardinait en chantant tandis que Louis, mon petit frère, jouait dans son bac à sable. Quand il m'a vu, ça a été terrible. Il s'est précipité sur moi en me couvrant d'énormes bisous dégoulinants et en me posant toutes sortes de questions sur ma journée. Maman lui a demandé pourquoi il était rentré si tôt de son travail, mais il n'a pas répondu. À mon avis, mon père était tombé sur la tête. Cela s'est confirmé lorsqu'il a annoncé « Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour dîner ?» Une heure après, on se retrouvait tous les quatre devant une drôle de soupe et des pâtes toutes collantes. Louis n'a presque rien mangé. Là, papa nous a annoncé qu'il avait décidé de travailler moins, qu'il allait essayer d'être plus souvent à la maison et d'aider davantage maman. Louis s'est écrié « Mais c'est quand même maman qui fera à manger !» On a tous éclaté de rire, sauf papa. Puis on est allé se coucher. Quand il a proposé de nous lire une histoire, j'ai accepté, mais comme Louis n'était pas d'accord, c'est maman qui a continué. Quand elle a éteint la lumière, on lui a demandé « Mais qu'est-ce qui lui arrive à papa ?» Maman a répondu « Il vous aime, mais peut-être a-t-il l'impression de ne pas vous le montrer assez. Nous aussi on l'aime, mais là on ne le reconnaît plus. Tu sais, Gaspard, être un enfant, ça n'est pas toujours facile. Mais être un papa non plus, a dit maman. On pourrait peut-être l'aider un petit peu. » En m'endormant, je me suis dit que papa avait effectivement besoin d'un petit coup de pouce. Le lendemain, papa partit tôt à son travail. Arrivé au bureau, il mit la main dans la poche de sa veste et en sortit une drôle d'enveloppe. Il l'ouvrit. À l'intérieur, sur un morceau de papier, une école était dessinée avec une horloge qui indiquait 4h30. Papa se souvint alors qu'il devait venir nous chercher. Arrivé à l'école, il nous chercha, Louis et moi, mais il ne nous vit pas. De retour à sa voiture, une autre enveloppe était coincée dans les essuie-glaces. Cette fois, le dessin représentait un terrain de foot. Il roula jusqu'au stade. Là-bas, des enfants tapaient dans un ballon, mais ni Louis ni moi n'étions au rendez-vous. Papa alla voir jusqu'au vestiaire. Sur la porte de mon casier, une nouvelle enveloppe était accrochée. À l'intérieur, une feuille de papier avec le dessin d'un étang, celui où il avait promis de nous emmener pêcher il y a bien longtemps. Arrivé au bord de l'eau, un grand pique-nique était dressé et sur la nappe, il découvrit une troisième enveloppe entourée d'un ruban. À l'intérieur se trouvait une inscription qu'il lut à voix haute « Papa, ne change pas, on t'aime comme tu es ». À ce moment-là, papa entendit nos cris. Maman, Louis et moi sortîmes de derrière les buissons. « Ah, on t'a bien eu, hein ?» Papa riait, riait. Si je comprends bien, vous avez besoin de moi pour tout cela. Allez vous chercher à l'école, vous emmener jouer au foot et puis pique-niquer. Oui, mais pas seulement, lança Louis impatient. Que veux-tu dire, mon loulou? Demanda papa tout ému. Eh ben, tu oublies la pêche. Mais oui, la pêche. Où avais-je la tête? La pêche aussi. Allez, c'est parti. Maman me fit un clin d'œil et je lui dis à l'oreille. Tu vois, être papa, finalement, ça peut être aussi simple que ça. Une lettre pour toi. Nala
était une petite fille très vive qui passait son temps à faire des galipettes et des cabrioles. Son grand ami était le facteur, Léo. Dès qu'elle le voyait arriver avec le courrier sur son beau vélo jaune, elle se précipitait vers lui. Parfois, pour la faire rigoler, Léo marchait sur ses mains et n'alla éclater de rire parce que tous ses crayons dégringolaient par terre. S'il avait du retard, il faisait sa tournée à trottinette pour aller plus vite. Et quand il apportait des colis arrivés par avion, il se mettait en tenue de parachutiste. Nala adorait Léo. Pourtant, tous les matins, quand il passait la voir, elle était un peu déçue. Quand il sautait de son vélo avec sa sacoche sur le dos, elle allait à sa rencontre et disait « Bonjour Léo, tu as quelque chose pour moi aujourd'hui ?»« Non, désolé Nala, il n'y a rien pour toi. » »« Tu apportes toujours du courrier à tout le monde ici, à papa, à maman, à mon grand frère aussi, tout le monde, sauf moi, c'est injuste. »« C'est vrai Nala, tu as raison !» répondait le facteur. « Tu me fais bien rire, c'est sûr, mais tu me donnes jamais de lettres. Et des fois, quand je vois Noah se jeter sur son courrier, ça me rend triste. Je sais pas bien lire, mais j'aimerais tellement recevoir des lettres. »« Tu es si triste que ça ?» répondait Léo. « Attends un peu !» Et il ajouta d'un air très sérieux. « Je te promets qu'un jour, tu recevras plein de courriers. Il faut juste que tu sois patiente. » À partir de ce jour-là, dès son réveil, Nala se précipitait vers la boîte aux lettres. « Patience !» lui disait Léo. Mais jamais rien n'arrivait. Et puis un beau jour, Léo fut remplacé par une factrice qui se déplaçait en camionnette. Elle ne lui adressait jamais la parole. Peu à peu, Nala se désintéressa complètement du courrier. De temps en temps, elle pensait à Léo et se demandait si elle le reverrait un jour. Or, un matin, la nouvelle factrice lui dit « C'est toi, Nala. Il y a une lettre pour toi. » La lettre était rose et couverte de timbres magnifiques qui représentaient des îles toutes bleues et des poissons jaunes. Nala n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Elle la garda toute la journée sans l'ouvrir. C'était la première fois qu'elle recevait une lettre, une vraie lettre. Ça venait de Tahiti. Elle en était toute bouleversée. Quand elle se résolut enfin à l'ouvrir, elle découvrit un peu de sable fin et une photo. Et sur cette photo, qui faisait du vélo sur la plage? Léo, son ami le facteur. À partir de ce jour-là, Nala reçut une lettre par semaine. Léo faisait le tour du monde et à chaque étape, il lui envoyait une lettre. Elle venait de partout, du Kilimandjaro, de San Francisco, de Mexico, et toujours une photo de Léo à l'intérieur avec un petit souvenir. En accrochant au mur de sa chambre la carte postale qu'elle venait de recevoir, Nala sourit en pensant que Léo, le facteur, n'avait oublié ni sa promesse, ni sa grande amie. Henri Dès raconte à l'école de Davy Crockett. Léon a 6 ans. Tous les jours, il va à l'école pour apprendre à lire, mais il trouve que c'est drôlement difficile. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment utile de savoir lire tous ces mots remplis de lettres ? Aujourd'hui, la maîtresse annonce à la classe qu'ils vont découvrir l'histoire de Davy Crockett, le trappeur. « C'est quoi un trappeur ?» demande Léon. « Les trappeurs, explique la maîtresse, vivaient autrefois en Amérique, dans les bois, et attrapaient des animaux sauvages pour vendre leur fourrure. « Et Davy Boulette, il est allé à l'école quand il était petit ?» continue Léon. « Pas Boulette, Crockett !» Non, Léon, son école à lui, c'était la nature et la forêt. « Eh, alors, il ne savait pas lire ?» demande encore Léon, soudain très intéressé. « Non, Léon,
pas dans les livres, mais il lisait dans le vol des oiseaux, dans la position du soleil ou dans la mousse sur les arbres, répond la maîtresse, avant de commencer à lire le livre aux enfants passionnés. Mais aucun n'est aussi passionné que notre Léon, qui dès la fin de la classe a déjà décidé de devenir trappeur. Aussi, le lendemain matin, au lieu d'aller à l'école comme d'habitude, en suivant la route qui fait le tour du parc à côté de chez lui, il décide de couper tout droit comme un vrai trappeur. « C'est facile, » se dit-il. « Je vais faire comme Davy Crockett, avec le soleil, les oiseaux, la mousse sur les arbres. » Mais il a beau marcher la tête en l'air pour suivre le soleil et faire le tour de tous les arbres pour y chercher la mousse, Léon est bientôt complètement perdu. Si bien que quand, par hasard, il finit par sortir du parc, il se retrouve au beau milieu d'un carrefour inconnu, tout plein de poteaux indicateurs. Seulement voilà, notre Léon ne sait pas assez bien lire pour les déchiffrer. « Eh bien, mon garçon, tu t'es perdu ?» lui dit une vieille dame qui promène son chien le long du parc. « C'est que, lui répond Léon, je ne sais plus par où est l'école. » « Ah ça, tu ne sais donc pas encore lire à ton âge ?» éclate de rire la vieille dame. « Regarde, c'est écrit sur ce panneau, là, sous ton nez. » Vexé, Léon balbutie en vague. « Merci, madame. » et s'en va vite en courant, trop heureux de s'être tiré de ce mauvais pas. Arrivé à l'école, la maîtresse, très inquiète de son retard, lui demande ce qui s'est passé. « C'est à cause de Davy Crockett !» explique Léon en pleurant. « J'ai voulu faire comme lui et me diriger tout seul dans les bois, en lisant dans le soleil et sur les arbres, et je me suis perdu. » Ému par le chagrin de Léon, la maîtresse lui explique alors doucement. « Tu vois, Léon, que ce soit dans la nature ou dans les livres, pour savoir lire, il faut d'abord apprendre. Et pour ça, il faut être courageux et bien travailler. Et si tu veux mon avis, je pense que c'est plus utile de nos jours de savoir déchiffrer les mots plutôt que le vol des oiseaux, tu ne crois pas ?»« Si, » répond Léon d'une toute petite voix. À compter de ce jour, Léon est devenu le plus attentif de la classe. Et ce qui est sûr, c'est que bientôt, il pourra lire tout seul tous les panneaux indicateurs. Quant au soleil et à la mousse des arbres, ma foi, on verra plus tard. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Papa, maman, ma petite sœur Julie et moi, on part en voyage. Comme d'habitude, maman s'est occupée des bagages et papa des choses importantes, comme il dit, c'est-à-dire d'acheter les billets de train. Il faut dire que mon papa est plutôt du genre sérieux. Lui, ce qu'il aime, ce sont les chiffres. Les chiffres ne mentent jamais, dit-il toujours. C'est comme ça qu'hier soir, papa nous a tous réunis pour nous faire ses dernières recommandations. Les enfants, notre train part à 9h du matin. En se réveillant à 7h, ça nous laisse 2h pour nous préparer et aller jusqu'à la gare. C'est largement suffisant, à condition de ne pas trop traîner quand même. D'accord ? Alors, vite, tout le monde au lit. Le matin, donc, tout a commencé comme prévu, mais très vite, les choses se sont précipitées. « Les bagages sont prêts ?» criait papa. « Évidemment, » répondait maman, « tu n'as plus qu'à les descendre. »« Tu es sûr qu'on a besoin de tout ça ?» disait alors papa devant le tas de valises qui encombrait le haut de l'escalier. « Oh, si tu n'es pas content, tu n'avais qu'à les faire toi-même, » répondait maman. « Merci, mais moi, j'avais le départ à organiser, » répliquait papa. « En attendant, on n'est pas encore parti, » remarquait maman. « Allez les enfants, on se dépêche. Ne faites pas attendre votre père. » Résultat, on est parti de la maison en courant. C'est sûrement pour ça que Julie a glissé et s'est écorchée en tombant.
Le temps de trouver dans quelle valise étaient les pansements. Ça nous a fait perdre un temps précieux, a dit papa. Surtout qu'après, papa n'allait pas bien vite avec ses deux grosses valises à la main et ma petite sœur sur le dos. Allez, courage, soufflait papa. On est bientôt arrivés. Il a raison, mon papa, je me suis dit. Et c'est pour lui montrer que moi aussi j'en avais du courage, que j'ai voulu l'aider à porter les bagages. Et c'est pas ma faute si la valise était mal fermée, que les vêtements sont tombés sur la route et que le bus a roulé dessus. De notre côté, c'est un peu grâce à moi qu'il s'est arrêté et qu'on a pu monter dedans. Si bien que malgré tout, on était quand même à l'heure à la gare. Mais là, surprise, pas le moindre train en vue. Très étonné et un peu inquiet aussi, papa demande alors au chef de gare si le train de 9h est déjà parti. « Ah, ça non !» répond le chef de gare avec un grand sourire. « Il n'est pas parti. »« Ouf !» soupire papa. « J'avais peur qu'on soit en retard. »« Ça, vous n'êtes pas en retard !» reprend le chef de gare. « Vous êtes même sacrément en avance. »« Comment ça ?» demande papa. « Ben, dame !» s'exclame le chef de gare. « Aujourd'hui, on est samedi et le train de 9h ne roule que le dimanche. Pour être précis, vous avez donc 24 heures d'avance. » Curieusement, au lieu d'être content de ne pas être en retard, papa n'a plus rien dit du tout, jusqu'à la maison. Même quand maman s'est aperçue devant la porte qu'elle avait oubliée sur le quai, le petit sac rouge avec les clés dedans, et que papa a dû repartir le chercher. En tout cas, quand on s'est enfin tous retrouvés à la maison avec nos mines fatiguées et nos valises abîmées, on avait vraiment l'air de revenir d'un très long voyage. Henri Dès raconte Chat de château et chat des champs. Monsieur Richard était très riche et vivait dans un magnifique château à la campagne. Tout était parfait dans sa vie. Mais un jour, horreur, il aperçut une souris qui courait sur son superbe plancher. Aussitôt, il décida de prendre un chat. Sa mère lui promit de lui donner un chaton dès que sa chatte en aurait un. Or, elle n'eut pas un, mais deux petits, deux frères jumeaux appelés Bijou et Voyou. Et c'est ainsi que M. Richard se retrouva avec deux chatons au lieu d'un seul. Mais c'était un homme qui avait l'habitude que tout soit toujours fait selon sa volonté. Il voulait un chat, pas deux. Il ordonna donc à son valet de noyer Voyou dans la rivière. Mais le valet eut pitié du chaton et se contenta d'abandonner Voyou dans le parc du château. De son côté, Bijou menait la belle vie avec saumon et crème fraîche à tous les repas. L'été, il dormait au soleil sur le rebord de la fenêtre. Et l'hiver, il se reposait longuement devant la cheminée. Au fil des années, il finit par devenir beaucoup trop paresseux pour courir après les souris et les rats, qui étaient de plus en plus nombreux, si bien que M. Richard était de plus en plus furieux. « Je dois me débarrasser de cette boule de poils », se disait M. Richard. « Bijou ne sert à rien. » Un jour, le valet oublia de refermer la porte d'entrée et Bijou s'échappa. Parti au hasard dans les hautes herbes, il fut bientôt totalement perdu. « À l'aide !» miaulait-il terrorisé. Car c'était la première fois qu'il sortait tout seul. Quand soudain, un visage familier surgit parmi les herbes. Un visage tellement familier qu'on aurait dit le sien. C'était Voyou, son jumeau disparu, qui venait à son secours. « Salut Bijou, ronronna Voyou. Je parie que tu t'attendais pas à me voir. Ça fait des années que je vis dehors, moi, buvant l'eau des mares et chassant pour me nourrir. » Voyou montra à Bijou sa tanière et les bonnes poubelles où trouver à manger. « Évidemment, je ne vis pas dans le luxe comme toi, » dit Voyou. « Et ça me plaît, et ça maintient en forme. »« Mazette !» miaulait Bijou, impressionné par les griffes acérées de Voyou.
Tu es devenu un sacré matou !» Les deux frères jouèrent tout l'après-midi, puis Voyou raccompagna Bijou au château. Au moment de rentrer, ce dernier eut une idée. « Écoute bien !» dit-il à son frère. Ce soir-là, M. Richard rentra de très mauvaise humeur. « Il faut que je me débarrasse de ce chat inutile !» Mais à peine entré, il fut saisi de stupeur. Son chat courait partout, chassant rats et souris à en perdre haleine. Deux gros rats velus, vous, vous, s'enfuirent en toute hâte par la porte entrouverte. Un autre, énorme, saisi à la queue, fut projeté dehors, vlan, comme par une fronde. Trois souris dodues, zou, 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 furent éjectées par-dessus la clôture du jardin. Monsieur Richard n'en revenait pas de ce que son melasson de chat avait changé. « Alors là, se dit-il, toi, je te garde. » À peine Monsieur Richard parti, le chat miaula avec force et aussitôt un autre chat, qui lui ressemblait trait pour trait, entra par la fenêtre ouverte. C'était Bijou. Eh oui, les jumeaux avaient échangé leur place. Pendant que Voyou s'amusait à chasser les rats, Bijou se prélassait dans le parc. Et depuis, les deux chats restèrent ensemble pour toujours, échangeant leurs vies respectives dès qu'ils en avaient besoin. Quant à M. Richard, il ne soupçonna jamais la vérité et ne jura plus que par son chat extraordinaire.